Donc, mon propos ce soir, c'est essayer de réfléchir, parce que chaque fois que je viens m'entretenir avec vous, ce sont des sujets qui sont toujours en cours, sur lesquels il serait présomptueux de ma part de dire, bon ben voilà, j'ai préparé un sujet et une conclusion définitive. Déjà, c'est un titre qui est un binôme, filmé au féminin, le féminin filmé, donc il y a deux visages, deux entrées possibles. Et déjà, la première entrée filmée au féminin, ce n'est pas les femmes réalisatrices en Espagne, c'est filmée au féminin, c'est-à-dire des réalisatrices qui se revendiquent essentiellement comme des réalisatrices et non pas comme des femmes réalisatrices, mais on va voir cela. Et puis, de l'autre côté, ce sujet nous intéressait particulièrement parce qu'on s'est rendu compte que la façon dont la femme était filmée dans un pays était une façon de raconter l'histoire de ce pays. Et vous savez que l'histoire de l'Espagne concernant la femme comme objet de désir, comme objet de péché, comme être humain qu'il fallait cacher, enfermer dans la maison, etc., simplement à travers ce deuxième aspect de la question autour de laquelle nous allons nous entretenir, simplement ce deuxième aspect est déjà l'histoire de l'Espagne depuis les années 30 jusqu'à nos jours. Donc voilà. Mais avant de commencer, j'avais pensé rappeler quelques fondamentaux sur qu'est-ce que c'est que le cinéma pour nous. Pour nous, professeurs d'histoire et civilisation, pour lesquels le cinéma est quand même pas simplement un objet d'étude, mais beaucoup plus. Le cinéma, pour des programmateurs que nous sommes, ou pour programmer 60 films, on doit en voir 300 et quelques pendant l'année, des films de toutes sortes, longs-métrages, documentaires, courts-métrages. Et qu'est-ce que le cinéma aussi, non seulement en Espagne, mais dans le monde, pour vous tous qui êtes habitués à voir du cinéma chez vous ou en salle, hein, ou quand vous voyagez dans les trains, dans votre ordinateur. Alors, je dirais que le cinéma, tout d'abord, c'est un marqueur du temps historique. C'est une définition sur la, enfin, sur chaque définition, on pourrait revenir, mais je donne ces définitions parce que je pense qu'après, elles peuvent donner lieu à des réflexions, à des échanges. Marqueur du temps historique, je pense que le cinéma a en commun avec l'histoire cette idée de temporalité. Dans le cinéma, il y a souvent une temporalité, et quand on est spectateur, vous allez voir par exemple le premier film documentaire « Les institutrices de la République », c'est un documentaire qui se déroule en 52 temps. Et on a l'impression que c'est un temps extrêmement court. D'autres fictions comme « La blessure », que certains ont pu déjà voir, c'est une fiction qui se déroule en un temps extrêmement court. Quelques jours, on a l'impression que c'est vraiment des années. Et l'histoire a ceci en commun avec le cinéma. Et nous, enseignants en histoire ou chercheurs, on peut arrêter le temps, hein, maintenant qu'on parle beaucoup de la Première Guerre mondiale, et avec ce merveilleux travail qui est présenté à la télévision française, on a l'impression que ce temps de la Deuxième Guerre se dilate presque au jour, le jour. Je dirais aussi que le cinéma est une source de l'histoire. Et pour nous, chaque fois que nous voyons un film, que ce soit une fiction récente, qui parle de l'Espagne, de la crise immobilière, qui parle du rôle de l'Église, qui parle de la corruption, qui parle de la question des indépendances dans différentes régions. Il y a un documentaire très intéressant également sur l'ETA. L'Espagne aujourd'hui est en paix, je mets des guillemets, les attentats sont arrêtés. Il y a un documentaire très intéressant qui passe ces jours-ci sur quelqu'un, un membre d'ETA, qui a passé en prison 20 et quelques années, qui sort et qui est reçu comme le héros et non pas le bourreau. Donc voilà, c'est un cinéma qui est une source de l'histoire parce que chaque fois qu'on voit un documentaire, une fiction, un court-métrage, cela nous ramène à réfléchir
sur une période de l'histoire. Et en France, vous savez aussi des références multiples à la Première, la Deuxième Guerre mondiale, la résistance, la collaboration, Vichy, etc., etc. Donc, je dirais également que le cinéma, très souvent, on dit, et il y a une historienne très intéressante en France, Arlette Farge, telle que je le prononce, qui vient des travaux sur le Moyen-Âge et qui maintenant travaille beaucoup sur le cinéma. Et elle a des propos intéressants. Elle dit le cinéma, c'est la langue maternelle du XXe siècle. Langue maternelle, pourquoi ? Parce que finalement, les images dépassent ce que ces langues différentes qui nous rassemblent, mais parfois nous s'opposent, nous empêchent de nous comprendre. Par exemple, le fait que nos films soient sous-titrés passe par un filtre qui va quelque part rétrécir les dialogues pour les rentrer dans un temps court. Hein. Finalement, ces images, elles sont universelles. Si vous avez vu un des films de la programmation qui s'appelle « Les phénomènes », que je vous conseille de voir, c'est un film qui parle de la crise immobilière, mais à aucun moment vous allez trouver des statistiques, des messages de condamnation. C'est un film dans lequel les regards sur les acteurs sont tellement importants que finalement, c'est ces images qui sont notre langue à nous. On s'est trouvés tous dans des situations comme ça, d'incompréhension, des difficultés à s'insérer dans un groupe professionnel, dans des problèmes de couple, et tout ça, c'est la caméra qui regarde une grande actrice espagnole qui est Lola Dueñas, qui était là l'année dernière pour Les Amants passagers, le film de Almodóvar, qui était une comédie frivole, hein, comme seul Almodóvar sait le faire de temps en temps. Donc voilà, ces langages, et c'était langue maternelle, on le disait cette année dans l'éditorial, passe parce que le cinéma espagnol, c'est un cinéma comme je pense la plupart des cinémas, qui repose sur de grands acteurs. Alors, je ne vais pas citer des noms parce que vous ne les connaissez pas tous, c'est normal. Hein. Le festival est là pour le rendre familier, et pour vous donner l'impression que vous les avez déjà vus circuler par là. Hein. Mais c'est certain que ce sont les acteurs qui sont cette langue maternelle du XXe siècle. Et parmi ces acteurs, il y a des acteurs aussi importants que, bon, vous connaissez sans doute Javier Bardem, qui est très aimé, donc je ne vais pas faire du machisme aujourd'hui, hein, mais il est très aimé aussi des hommes, hein, et sa compagne également, Penélope Cruz. Hein, mais Javier Bardem est un des acteurs qui est capable d'incarner tous les rôles au monde, qui a joué pour des cinéastes très différents et qui va jouer pour le film de clôture, Les Scorpions amoureux. Alors, il ne sera pas là, donc je déçois déjà beaucoup de monde, puisque si Javier Bardem venait, il faudrait élargir le 14A et le Théâtre Gralin, mais c'est son frère. Alors, la question des journalistes est toujours frivole. Est-ce qu'il est aussi beau? Alors, je suis mal placée pour faire de l'esthétique et de la plastique. Carlos Bardem, qui va être là, c'est un acteur aussi important que son frère, et en plus il est écrivain, et donc ce dernier film, Les Scorpions amoureux, c'est un film dans lequel Carlos Bardem incarne un rôle très important, son frère aussi, Javier Bardem, a un rôle important, et en plus il est l'auteur du roman dont l'adaptation a donné lieu à ce film. Alors, ce film de clôture, c'est important parce que je disais, le cinéma, c'est une langue maternelle du XXIe siècle. Dans ce dernier film qu'on a choisi, après avoir beaucoup réfléchi, Carlos Bardem, le scénariste, et le réalisateur Santiago Zanu, le seul réalisateur noir du cinéma espagnol, puisque l'Espagne n'a pas eu de colonie en Afrique noire, hein, contrairement à la France. Mais c'est une immigration qui est très, très minoritaire, mais importante dans ce cas-là. Donc Santiago Zanu, dans ce film, nous parle du rôle de l'extrême droite en Espagne. Et Javier Bardem, dans ce film, tient un discours, qui est un discours universel, sur une certaine idéologie qu'on voit s'asseoir, s'installer dans différents pays européens,
dans ce cas en Espagne. Et donc, c'est Javier Bardem, un acteur que vous connaissez dans des rôles très très différents, qui va incarner cela. Donc, voilà le cinéma. Et je terminerai en disant que dans le cinéma espagnol que vous avez vu pour certains, plus que dans le cinéma français, le cinéma est un lieu de mémoire. Il y a beaucoup de films que vous avez vus et que vous allez voir cette semaine, si vous en avez la possibilité et l'envie, qui parlent du passé douloureux de l'Espagne. Une grande partie de la programmation de chaque année est concentrée sur un retour à la guerre, un retour à la République, un retour au franquisme. Comme si le travail de mémoire dont parle Paul Ricoeur et que je cite souvent devait toujours se faire, puisque les politiques ne le font pas, et ce n'est pas le gouvernement actuel qui le fait. Les politiques mémorielles ont été terminées depuis maintenant 3 ans. C'est le cinéma, depuis déjà l'époque franquiste, qui a toujours eu ce rôle, malgré la censure, de revenir sur ce passé qui était nié, occulté, interdit, etc. Et là, maintenant, c'est comment on peut parler aux jeunes de ce passé sur lequel ils ne travaillent pas beaucoup dans les livres d'histoire, dans les lycées, parce qu'on considère qu'un pays doit toujours avoir le regard tourné vers l'avenir et qu'il ne faut surtout pas regarder vers le passé. Donc ça, c'est quelque chose qui est important dans le cinéma espagnol. Vous allez trouver documentaire et fiction sur cette question. Et puis, le cinéma, je pense qu'avant d'aller voir les films, peut-être, sans faire, je sais que certains vont à des cours d'analyse filmique, mais ce n'est pas ma formation. Moi, je dirais que le cinéma, comme la littérature, comme l'art, nous montre ce que l'histoire ne peut pas montrer. À savoir, quand on fait, par exemple, un cours d'histoire sur la guerre civile, sur laquelle on a parlé déjà ici, ou sur la question des indépendances ou de l'autonomie de la Catalogne, etc., l'histoire était un récit plutôt linéaire. Et dans cette histoire linéaire, il y a des événements sur lesquels on fait des focus. Et le cinéma, et là je rappelle des auteurs que vous avez peut-être entendus à la télévision, Ferro, par exemple, Marc Ferro, il dit souvent que le cinéma nous montre la contre-histoire, la contre-analyse de l'histoire, ce que l'histoire souvent cache, ou ce qui se cache dans les plis de l'histoire. C'est-à-dire que pour moi, il m'est très difficile de parler de comment vivaient les Espagnols à telle ou telle période. Je vous donne des statistiques. Je peux vous donner le prix des denrées alimentaires de base, je peux vous dire combien coûtait le loyer, mais vous parlez du mal-être des Espagnols à cette période-ci, en 2014, par rapport à la crise économique qui n'en finit pas, par rapport au problème de l'endettement, etc. Ça se termine très rapidement dans mon récit historique. Par contre, le cinéma, sans être manichéen, sans faire du message ou du social, va vous montrer ce mal-être, cette difficulté à vivre aujourd'hui dans ce pays. Et le cinéma a aussi une particularité, c'est que finalement, les spectateurs vont se reconnaître d'un pays à l'autre. C'est-à-dire que le mal-être n'est pas simplement un mal-être propre à un pays, mais sans doute aux différents pays européens qui vivent aujourd'hui les mêmes difficultés. Donc, je dirais aussi, et je terminerai mon propos d'introduction, que tout cinéma, qu'on le veuille ou pas, il est lié à une culture. Culture dans le sens universel et national également. Une culture, c'est vous qui allez régulièrement sur des conférences, qui lisez, qui vous tenez au courant, etc. Une culture au sens large, c'est depuis ce que nous savons des grands peintres, par exemple, espagnols du XVIIe siècle, de ce que vous connaissez de Cervantes, de Lope de Vega, des écrivains du XIXe siècle, vous vous rendez compte que cet apport des cultures avec un grand C se glisse dans les plis d'un cinéaste aussi iconoclaste que Alex de la Iglesia, dans un film complètement fou qu'il faut aller voir
parce que c'est peut-être un des films qui fait sourire le plus, Les sorcières de Zugarramurdi. En français, c'est impossible à prononcer. En espagnol, il faut prendre son élan. Et Zugarramurdi, c'est un village basque. Et ce film, qui paraît un film de genre, hein, où vraiment il y a toute une partie provocation avec des sorcières de notre temps, et se termine avec une image d'une beauté plastique extraordinaire qui est vraiment un renvoi très direct à Goya. Il ne faut pas être hispaniste, je suis sûr que lorsque vous voyez ça, toutes vos références se mettent vraiment à vibrer. C'est vraiment Saturne dévorant ses enfants. C'est une image, une métaphore qu'on a souvent donnée de l'Espagne, parce que l'Espagne a vécu beaucoup de guerres civiles, dans lesquelles guerres civiles, finalement, les Espagnols se sont dévorés et qu'il y a eu toujours une espèce de monstre à travers les périodes de l'histoire. Ce monstre qui peut être Franco à certaines périodes ou d'autres rois à certaines autres périodes, Philippe II, etc., dévorant les enfants. Mais tout ça en même temps, sans aucune prétention, avec des répliques ironiques, humoristiques, etc. Donc voilà un peu pour ces propos. Alors, pour parler donc du cinéma, simplement quelques petits coups de pinceau, comme on dit en espagnol, donc ça c'est une traduction littérale. Le cinéma espagnol, la question aujourd'hui, c'est en 2014, il se porte comment? Ça c'est la question récurrente depuis qu'on a commencé le festival jeudi. On a souvent trait à une sorte de boutade, mais qui convient bien au cinéma espagnol. C'est un grand malade chronique qui se porte bien. Je le dis souvent, et la phrase n'est pas de moi, Buñuel l'avait dite, Sora l'a dite, l'oncle de Bardem, Juan Antonio Bardem, Grandru, par exemple, mort d'un cycliste, un grand cinéaste. Bon. C'est quelque chose de chronique. Le cinéma en Espagne ne peut pas aller bien, ni dans les années 40. Il y a eu des embellis, et on va en parler, mais un pays qui sort d'une guerre civile, de 3 ans, qui a détruit l'industrie, qui a détruit les pays, qui a clivé les Espagnols en deux, où les meilleurs de ces pays sont partis en exil, et donc les grands écrivains, les grands scénaristes, les grands Buñuel, etc., lorsqu'en 40, on commence à créer le cinéma, on ne peut pas faire un cinéma comme on peut le faire dans d'autres pays, même en reconstruction. Donc, et malgré cela, dans les années 40 et 60, il y a eu des grands, grands cinéastes, Berlanga, Bardem, pour en parler, et Buñuel, qui revient en Espagne dans les années 60. Malgré donc l'absence d'industrie, industrie, donc vraiment ce socle qui est fondamental, puisque le cinéma, c'est une industrie, ce n'est pas simplement du loisir, et c'est vraiment une industrie qui produit et qui crée des emplois, hein, aujourd'hui il faudrait le dire, parce qu'on a l'impression que les gens qui sont derrière la caméra, ce sont des feignants, hein, qui demandent toujours des subventions au pouvoir public pour vivre vraiment très très bien. Mais le nombre d'emplois qui sont créés par le cinéma dans chacun des pays est aussi important que certaines industries, l'automobile par exemple. Il y a des études du CNC en France, du ministère de la Culture, qui attestent cela et vous pouvez les consulter. Donc en Espagne, il n'y avait pas cette industrie, il n'y avait pas des emplois. Donc malgré ces manques économiques, il y a quand même un cinéma qui se fait, et qui se fait avec des grands génies qui essaient de passer entre les gouttes assez copieuses, assez importantes de la censure. Et malgré cet obstacle majeur, parce qu'il ne fallait pas parler de ceci, il ne fallait pas montrer un décolleté des femmes, les jambes, les relations extra-conjugales, malgré tout cela additionné, il y a un cinéma à cette époque-là, et il y a les grands Berlanga, Bardem, Borau, etc., Sora. Bien. Donc, le cinéma, toujours en Espagne, a dû lutter contre des obstacles qui semblaient insurmontables. À la mort de Franco, il y a eu des embellis, c'est certain. Et le moment de la transition, et je vais parler puisque c'est une femme qui va être à la tête de cela, au moment de la transition 75 et pendant le mandat de Felipe González 82, etc., c'était le moment où le cinéma va être vraiment soutenu,
où il y a pour la première fois en Espagne un gouvernement, je ne sais pas parce qu'il était de gauche. La transition déjà était fort compliquée pour asseoir la démocratie, donc on ne pouvait pas faire en plus une politique culturelle. Donc cette politique culturelle viendra avec González, Felipe González, et sera introduite par un franco-espagnol, Georges Samprin. Georges Samprin, ministre de la Culture, qui a cette culture universelle chez lui, qui a le passé que vous connaissez tous, et qui va être un ministre de la Culture, qui va essayer de donner vraiment à la culture espagnole une dimension autre, une dimension universelle. Donc on va voir le cinéma espagnol venir dans les festivals, faire des festivals de cinéma espagnol. Nous, ce n'était pas encore ça. Et essayer de montrer tout ce qu'on faisait de mieux dans le cinéma espagnol à l'extérieur. Donc ce fut une période très, très intéressante pour le cinéma. Et là, quelques femmes, je vais en parler après, dans la deuxième partie, quelques femmes vont émerger comme cinéastes importantes. Il y a, je dirais, une période où le cinéma espagnol, qui a toujours été très engagé. Ça, c'est une grande différence par rapport à d'autres cinématographies. Chaque fois qu'un réalisateur prend la parole dans le Festival de cinéma espagnol de Nantes, et on ne prend pas uniquement les cinéastes de gauche. Je veux dire, on choisit les films en fonction de la qualité cinématographique et pas en fonction de la carte du parti. Surtout que le politicisme est aussi important en France qu'en Espagne. Mais quand je dis les cinéastes espagnols sont très engagés, je veux dire, ils sont toujours engagés en faveur d'une liberté de création, en faveur des politiques sociales, en faveur de l'éducation, etc., etc., etc. Donc ça, c'est un engagement. Ils ne sont pas isolés des mouvements qui ont trait dans les différentes associations, villes, etc. Donc il y a eu une période des grandes tensions et d'affrontements entre le pouvoir politique et le monde du cinéma. Le monde du cinéma, c'est-à-dire tous les cinéastes, tous, les Trueba que vous connaissez, les Alex de la Iglesia que vous connaissez, l'Almodovar que vous connaissez, Armendáriz, Uribe, toutes les générations confondues, qui se sont opposés très fortement au pouvoir, et cela explique la situation actuelle de l'actuel gouvernement face au cinéma espagnol, au moment de la guerre d'Irak. La rupture a été brutale lorsque le gouvernement Aznar a décidé de rentrer dans la coalition et de changer complètement la politique internationale qui était pro-française, pro-européenne, et devenir une politique internationale pro-américaine dans la coalition avec Blair et Bush. Le monde du cinéma s'est mobilisé depuis les Bardem, toute la famille, la mère Pilar Bardem, qui est une actrice importante, etc. Penélope Cruz, avec tout le glamour que vous connaissez, etc., etc. Tout ce monde du cinéma s'est mobilisé avec des manifestations très importantes contre l'engagement de l'Espagne au sein de la coalition. Cet engagement, le Parti populaire le prend comme devant être à l'origine de sa défaite électorale. C'est-à-dire, lorsque Aznar a perdu les élections, avec un nombre de voix très peu important par rapport à Zapatero, donc le gouvernement du Parti populaire a considéré qu'entre autres, les courts-métrages qui ont été faits rapidement, le reportage, les interventions, les manifestations, les déclarations d'Almodovar notamment, etc., étaient une des raisons. Plus évidemment les attentats de la gare d'Atocha où le parti au gouvernement de M. Aznar avait menti en mettant sur le dos de l'ETA des attentats qui étaient d'origine islamiste. Donc, mais Zapatero gagne les élections avec vraiment une marge très faible. Deuxième législature, le monde du cinéma soutient encore Zapatero. Et puis, évidemment, le retour de M. Rajoy au pouvoir fait que, finalement, la politique culturelle, surtout cinématographique, va être une politique, on va dire, de vengeance, en deux mots, envers le monde du cinéma. La montée de la TVA, dont on avait parlé ici, de 8% à 21%, est quand même un facteur fondamental qui fait que les Espagnols commencent à déserter les salles de cinéma, puisqu'en période de crise économique avec 25% des chômeurs, il est très très difficile de pouvoir aller
en salle de cinéma voir des films dont le prix des places est quand même très élevé. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un monde du cinéma qui est toujours un monde qui parle de ses problèmes, qui est toujours, comme je l'ai dit au départ, un cinéma très engagé, mais non pas contre tel ou tel gouvernement, mais comme les intellectuels du 19e siècle espagnol, comme si ces cinéastes se devaient d'être des agitateurs de conscience. De dire on ne peut pas baisser les bras au moment de la crise économique. On ne peut pas se dire ça va se résoudre. Il faut que le cinéma montre, donne les moyens aussi d'espérer, trouve des solutions. Et vous verrez des films qui sont faits avec très peu de budget, un budget vraiment extrêmement faible, et qui sont des films aussi, par exemple, Illusion, qui est un film très drôle, hein, où un réalisateur s'est dit je voudrais faire un film sur la transition et cherche des moyens. Et c'est vraiment d'une drôlerie extraordinaire, mais c'est fait avec des budgets extrêmement petits. Donc, et les femmes dans tout ça. Alors, les femmes dans tout ça, il faudrait aussi remonter à des choses qu'on a dites ensemble quand on a parlé de l'histoire de la femme en Espagne. C'est-à-dire que le cinéma muet, dans les années 20, en Espagne, finalement, voit arriver à ce monde du cinéma deux pionnières qui vont commencer à faire des petits films comme ses collègues masculins, hein, des petits films qui seront, dans ces années 20 et 30, avant la République, hein, des films qui parleront essentiellement des littératures. Et ça, c'est vraiment une source importante pour le cinéma espagnol, les adaptations littéraires, qui parle aussi beaucoup de musique populaire, qui parle beaucoup aussi de folklore. Et la tauromachie, également, sera une source d'inspiration pour ces premières pionnières du cinéma espagnol. Mais ces pionnières ne vont pas faire des films qui montreront la corrida, mais beaucoup plus le sort du toréador, c'est-à-dire de l'homme face à l'animal, mais regardant toujours et montrant le côté humain. Qu'est-ce qui fait qu'un homme décide un jour de s'habiller de lumière, comme on dit dans le langage en Espagne, pour affronter cet énorme animal, hein, de grande puissance. Donc, d'autres réalisateurs après vont parler de cela. Hein, par exemple, Carlos Saura, dans un film des années 50 qui s'appelle « Les voyous », que certains d'entre vous ont vu, et qui raconte aussi comment, dans les années 50, les jeunes Espagnols, pour s'en sortir dans une Espagne appauvrie après la guerre civile, ne pouvaient devenir que prêtres, joueurs de football, aujourd'hui aussi, ou toréadors. Et donc, dans ce film, « Les voyous », qui est un des films les plus intéressants de l'après-guerre, il y a aussi, non pas la corrida en tant que spectacle qu'on peut aimer, détester, ou vraiment s'insurger contre ce spectacle, mais surtout, qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'homme pour dire, finalement, pour m'en sortir, il faut que je devienne un héros qui va risquer la vie devant un animal, etc. Alors, dans ce cinéma en Espagne, donc, il y a ces deux pionnières dans le cinéma muet qui sont deux femmes dont on ne parle presque jamais dans les histoires du cinéma. Donc, c'est aussi vrai dans les histoires du cinéma d'autres pays. Je fais un peu une analyse comparée. Et les femmes n'arrivent dans les histoires du cinéma que lorsqu'elles sont à une moyenne d'au moins 4, voire 5 films. Alors qu'un réalisateur homme, même avec un premier film, peut déjà prétendre être dans une histoire de cinéma comme auteur de premier film. Bon. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire du cinéma des femmes en Espagne, c'est l'histoire d'une femme, donc je vais parler que d'une parce qu'autrement ça fait catalogue et vous savez bien que je n'aime pas les catalogues. C'est l'histoire d'une femme dont je suis sûre que vous avez vu des films de cette femme qui s'appelle Ana Mariscal. Ana Mariscal est vraiment d'abord une actrice qui, dans le cinéma de l'après-guerre, donc ça s'écrit comme je le prononce, Ana, même prénom qu'en France, et Mariscal,
Je vais aller au tableau. C'est qui ? Alors, c'est une femme qui n'est pas non plus dans les histoires du cinéma comme réalisatrice. Elle est uniquement comme actrice, Anna Mariscal. Alors, Anna Mariscal, c'est une grande actrice de théâtre, comme les actrices Maria Casares. C'est un peu la Maria Casares espagnole. Donc, elle va incarner la tragédie au théâtre, elle va incarner la tragédie au cinéma. Sauf que dans les cinémas de l'après-guerre en Espagne, on faisait essentiellement des films historiques, patriotiques et de propagande. Donc, elle va incarner Isabelle la catholique, toutes les héroïnes de la lutte contre les Français, Agustina d'Alarón, etc. Et son rôle le plus important pour le régime, c'est le rôle dans le film de Franco, Race. En 1941, le général Franco, le caudillo, le généralissime, pendant que le monde était en guerre, la Deuxième Guerre mondiale, l'Espagne qui s'était déclarée en neutralité, entre guillemets, et le général Franco s'enferme dans son bureau pour écrire le scénario d'un film. Ce film s'appelle Race, la race, et c'est un film historique dans lequel, à travers l'histoire d'une famille de fiction, la famille Churruca, Franco raconte sublimer l'histoire de sa famille. Et Anna Mariscal va jouer le rôle le plus important de la femme du héros qui sera ni plus ni moins que le général Franco. Et à cette belle femme et très bonne actrice, je lui donnera la réplique, un autre acteur de cinéma de tous les films historiques, Alfredo Mayo. Donc, c'est comme ça qu'on connaît Anna Mariscal, l'héroïne de tous les films historiques. Ce qu'on ne sait pas, et on a retrouvé le film très tardivement dans la cinémathèque espagnole, c'est que cette femme qui était l'icône des militaires espagnols, des prêtres en Espagne, dont les films passaient en boucle dans les écoles. Dans les années 50, elle va prendre la caméra pour filmer. Et elle va filmer un film, essentiellement, qui est celui qui reste comme le plus important, d'un personnage qui s'appelle Segundo, un personnage dont le prénom est vraiment banal, et qui, le plus important, c'est que ce personnage est un personnage marginal dans les quartiers ouvriers de Madrid, et que cette actrice réalisatrice va commencer une carrière de cinéaste de cinéma néo-réaliste. Or, le franquisme considérait comme révolutionnaire le cinéma néo-réaliste. C'est-à-dire, le régime considérait que montrer, c'était dénoncer. Et dénoncer, c'était critiquer. Donc, le régime franquiste avait toujours interdit toute projection du cinéma néo-réaliste italien, par exemple. Ce cinéma, on ne le voyait pas en Espagne. On voyait surtout les comédies américaines, les comédies qui arrivaient des États-Unis, qui faisaient rêver à une Espagne qui n'existait évidemment pas. Donc, voilà. Alors, cette cinéaste commence à filmer dans les centres de Madrid, les quartiers de Vallecas, et à filmer des gamins qui n'avaient pas de chaussures, et filmer la promiscuité dans les appartements, le fait que les migrants commençaient à arriver à Madrid et ne pouvaient pas être logés, etc. Donc, évidemment, ce sont des films qui passeront complètement, qu'on ne verra pas dans les salles, mais qui avait quand même une existence dans certains lieux qui commençaient à être émergents pour un cinéma d'auteur dans lequel se formeront Sora, etc., et qui seront les ciné-clubs dans des résidences universitaires. Donc, des salles de cinéma comme on peut avoir aujourd'hui à l'université. Donc, cette pionnière Anna Mariscal est quand même une cinéaste qui va influencer, et ça on ne le dit pas non plus quand on fait les histoires du cinéma, qui va influencer Carlos Saura. Carlos Saura qui, dans ses premiers films, j'ai dit « Les voyous »,« Los golfos », va filmer les mêmes quartiers qu'Anna Mariscal, c'est-à-dire les quartiers de ce que serait la périphérie de Madrid, autour de la Puerta del Sol, Plaza Mayor, etc., et dans lesquels quartiers vivaient les migrants qui arrivaient, les ouvriers sans travail,
Et surtout, on voyait des énormes vides dans les centres-villes de Madrid, puisque la ville avait été pilonnée et bombardée pendant 3 années de guerre. Mais montrer ça, c'était déjà montrer qu'il y avait une guerre civile. Or, le régime franquiste ne parle pas de guerre civile, parlait de croisade. Bon. Donc, cela, on ne le montrait pas. On montrait comment on était en train de bâtir le nouveau ministère, comment finalement on commençait à montrer la Puerta del Sol avec une image des pays qui étaient en reconstruction, etc. Donc, c'était cinéaste. Je la mets en avant parce qu'aujourd'hui, on peut déjà trouver ses films. Et c'est une cinéaste qui a été complètement occultée parce que même les cinéastes des générations des années 60, etc., l'ont considérée toujours comme quelqu'un qui a collaboré par son rôle d'actrice avec le régime franquiste. Donc, elle avait la double peine. La peine d'avoir été l'incarnation des icônes franquistes, de toute la femme espagnole, noble, héroïne, épouse, mère des enfants, etc. Et puis le fait d'avoir filmé d'une façon dont le régime, évidemment, ne pouvait pas du tout autoriser. Donc, lorsqu'on parle de cinéma au féminin, au film au féminin, je dirais qu'il faudrait commencer essentiellement à la fin des années 70. Au moment de la mort de Franco. Avant, c'était un cinéma fait par des hommes, avec beaucoup de difficultés. Et il n'y a pas de réalisatrices dans cette période franquiste. Elles sont parfois productrices, elles sont monteuses, mais elles sont encore derrière la caméra. Parfois, elles n'apparaissent même pas dans les génériques des films. Et dans les années 70, au moment de la fin du franquisme, apparaît le nom d'une réalisatrice qui a été très importante pour le cinéma en général et qui s'appelle Pilar Miró. Pilar Miró. Je mets le numéro 2. Alors, elle fut importante parce que elle a un parcours qui est très particulier. Elle fut fille de militaire, sœur de militaire pendant la période franquiste. Et elle eut une éducation qui était extrêmement dure, extrêmement contrôlée. Parce qu'évidemment, il y avait une éducation qui était faite à cette époque-là. Elle était la seule femme de la famille, puisque sa mère, évidemment, était l'épouse et mère parfaite, dont la seule évasion consistait à échapper et s'enfermer dans les salles de cinéma. Ce qui est arrivé très, très souvent, finalement, à la plupart des cinéastes qui font aujourd'hui partie de la programmation du Festival de cinéma espagnol. Leur éducation n'a pas eu lieu dans des écoles de cinéma, mais comme évasion. Et donc, cette génération, et Pilar Miró, voyait tout, toutes sortes de films, plusieurs fois, et c'était le seul endroit où elle pouvait rêver et échapper à cette éducation très militariste. Cela forgeait un caractère qui fait Pilar Miró, vous savez des ouvrages, il y a un ouvrage en français, qui est facile d'accès, que vous trouvez dans les librairies, de Françoise Hetz, qui a fait sa thèse sur elle, et c'est un des ouvrages les plus intéressants. Elle avait un caractère bien trempé. Les personnes qui ont travaillé avec elle disaient toujours qu'elle était très autoritaire et très dure. Et je pense que dans le contexte où elle a évolué, il devait être très difficile d'avoir un caractère plus consensuel. Les batailles qu'elle a dû mener étaient multiples et à la mort de Franco, un personnage qui vient de mourir, Adolfo Suárez, dont la presse internationale a fait l'éloge, puisqu'il a été le premier chef du gouvernement de la démocratie en Espagne, en 1975, Adolfo Suárez, qui dirigeait la télévision au moment de la mort de Franco, l'avait nommé déjà, Pilar Miró, c'était la première femme qui rentrait à la télévision espagnole, l'avait nommé comme responsable de la section fiction à la télévision espagnole. Donc, elle a commencé par la télévision. Elle a commencé par commander, entre guillemets, diriger des équipes d'hommes. Et surtout, elle a commencé déjà à sélectionner dans les fictions qu'elle montrait à la télévision des pièces de théâtre qui n'avaient pas été montrées dans les salles de cinéma puisque censurées. Et à la mort du général Franco,
Elle est sortie de l'ombre de la télévision. Elle a commencé à faire des films, dont un qui a été un scandale pour l'Espagne et qui s'appelle, en 1977, « Les crimes de Cuenca », comme la ville de Cuenca. « Les crimes de Cuenca », qui est un film qu'elle réalise et qui revient sur des événements historiques, donc ce que je disais tout à l'heure, le cinéma lieu de l'histoire, qui revient sur des événements historiques qui ont eu lieu à la fin du XIXe siècle. Des événements qui se passent au moment de la Restauration, donc à la période de la monarchie d'Alphonse XIII, et des événements dans un régime d'oligarchie et caciquisme, et dans lequel donc, il y avait des mouvements dans la paysannerie, occupation des terres, etc., et un fait divers qu'on retrouve dans la presse, où un paysan qui était dans un groupe syndicaliste et de constantes révoltes face au cacique, dans ce contexte, il y a quelqu'un qui disparaît et le cacique considère que ce personnage qui est disparu a été tué par ce groupe de paysans syndicalistes, ont été arrêtés, torturés par la garde civile, etc. etc. Donc c'est des faits historiques qui avaient existé fin 19e siècle. Pilar Miró met ça en image, j'aurais pas pu vous les montrer parce qu'elles sont assez insoutenables. Elle filme la violence en premier plan. Et c'est un film d'une violence importante, mais en même temps, c'est la violence aussi contre la violence que le régime franquiste avait fait endurer pendant 40 ans. Alors, le film, après la mort de Franco, a été le premier film censuré de la démocratie. Et il a été censuré parce que la garde civile, en 1977, s'est sentie accusée directement. C'est-à-dire que la garde civile de 1977, qui était déjà accusée en 1977 de pratiquer la torture dans les prisons basques. Et le parallélisme entre la fin du 19e et 1977 pouvait exister. Et, évidemment, les lois de censure venaient d'être abolies, mais l'armée continuait d'être vraiment l'institution tutélaire, comme je vous l'avais déjà dit à d'autres reprises. Et il y avait des ménages de coups d'État, etc. Le film a été séquestré. Pilar Miró a été condamnée et elle a été traduite devant un tribunal militaire, voilà. Et donc, par la suite, ce cinéma de Pilar Miró, c'est un cinéma qui s'écarte de l'histoire, et je dirais qu'il a ce double regard, filmé au féminin, le féminin filmé. C'est-à-dire que les histoires de Pilar Miró, et je dirais une des plus belles histoires, c'est Gary Cooper qui est aussi, donc, où une femme dans les années 80 décide de garder son enfant alors que le père de cet enfant l'a quitté. Et malgré tout, elle décide de finalement garder cet enfant et d'être mère célibataire, toujours à un moment où, évidemment, la Constitution venait tout juste d'être approuvée. Mais les lois sociétales n'avaient pas été approuvées. Donc, c'était vraiment un premier film où, avec ce regard féminin, et je pense que chez cette cinéaste, plus que filmer au féminin, c'est le regard d'une femme qui montre bien que dans cette Espagne des années 80, déjà, faire ce pas-là était quand même très important. Et on voit, c'est autobiographique, on voit l'entourage, qui se ferme autour d'elle en disant non, non, il faut vraiment avorter. La loi de la dépénalisation de l'avortement, c'est en 85. Donc, elle décide de ne pas s'avorter, garder l'enfant. Donc, c'est vraiment une histoire très, très personnelle et en même temps très nationale, puisqu'il y a beaucoup de femmes qui se trouvaient dans cette situation. Et Pilar Miró, à partir de ce film, montre bien comment Gary Cooper, cet immense acteur américain, et quelque part une sorte de planche de salut, d'évasion, et qu'une fois encore, c'est le cinéma qui va sauver celle ou celui qui est vraiment dans ces moments de grandes difficultés. Almodovar reprendra un peu le même sujet dans « Femme au bord de la crise de nerfs », lorsque Pepa Carmen Maura décide dans les années 90 de garder son enfant, alors qu'elle avait été abandonnée par son amant à travers d'un répondeur téléphonique. Donc, c'est un film que je pense vous parle. Donc, voilà. Alors, je mets à dessin en rapport Pilar Miró et Pedro Almodóvar, parce que dans ces années 80 et 90, il y a
des réalisatrices femmes qui commencent à arriver. Pilar Miró, qui va être un peu la pionnière avec des sujets de société, qui traite beaucoup la question du couple, la question de la famille, la question du rôle de la femme dans la société, la question de la parité, mais sans jamais en faire un pamphlet. Elle va faire un film sur Werther, la passion, finalement non correspondue. Elle va parler des grands romantiques du XIXe siècle pour parler mieux de l'Espagne et des situations des femmes. Mais ce ne sera jamais un cinéma féministe, ce sera toujours le regard de la société sur. Et dans ces années 80-90, Pedro Almodóvar, qui commence au cinéma dans les années 80, fera lui, et je pense qu'aujourd'hui c'est attesté, peut-être le seul cinéma féministe du cinéma espagnol. Et Pedro Almodóvar parlera des femmes comme aucune réalisatrice le fait. Comme aucune réalisatrice n'ose le faire. Mais également, et je ne vais pas parler aujourd'hui d'Almodóvar parce que ce n'est pas le propos, mais peut-être Almodóvar va essayer de parler de ce rôle de la femme en dehors du rôle que la société lui a attribué depuis les années 40 comme femme aimante et comme épouse, lorsque finalement dans « Qu'est-ce que je fais pour mériter cela ?» la femme, toujours Carmen Maura, violentée par son mari, décide de le tuer avec un coup de jambon. Donc ça c'est du Almodóvar. Donc il y a toujours l'ironie, l'humour, la tragédie, etc. Ce n'est pas la seule fois. Dans le cinéma avec Gajoun, la jambon, on va voir un peu des idées comme ça. Donc Almodóvar, il peut se permettre ça. Voilà. Alors, c'est dans ces années 80 que des nouvelles réalisatrices vont émerger. Et peut-être la plus connue de ces réalisatrices va être la réalisatrice dont on va montrer un film qui a maintenant 10 ans et qui s'appelle Isiar Boyain. En français, c'est Bolin. Vous la retrouverez au programme avec un film dont le titre est « Ne dis rien ». Le film de mémoire doit passer le 11 avril. « Ne dis rien ». En espagnol, le titre est beaucoup plus intéressant, mais ça c'est la traduction. « Je te donne mes yeux, te doy mis ojos. Te doy mis ojos. » C'est vraiment un film qu'on considère aujourd'hui au niveau universel comme un film culte, si on peut dire ça, sur la violence conjugale ou la violence faite aux femmes. C'est un film qui est montré toujours dans des collectifs, dans des débats, etc., pour montrer cela. Et c'est un film qui ne montre pas la violence, mais ici, à Boyain, dont ce film reste peut-être le film le plus important, décide tout d'abord d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme qui maltraite sa femme. Non pas de faire un film manichéen condamnant l'homme violent. Et donc, ce film, c'est un film où il essaie de comprendre quel excès d'amour de l'homme amène à cela. C'est pour ça que le titre espagnol est beaucoup plus parlant. Vous verrez la séquence qui est vraiment très, très, très belle. Ça se passe à Tolède. Et ce film, à mon avis, pourrait résumer le propos de filmer au féminin le féminin filmé. Le grand débat. Est-ce que ce film aurait pu être fait par un homme? Sans doute. Est-ce que ce regard de la femme change la perspective? Sans doute aussi. Mais en même temps, il y a la compréhension du bourreau, de l'homme, dans ce cas-là. Et c'est un film qui n'est pas violent. Donc, il n'y a pas la violence qu'on imagine dans un film de cette sorte-là, mais il y a aussi l'essayer de comprendre pourquoi. Et cette fiction est accompagnée, avant d'arriver à la fiction, d'un documentaire qui a été fait avant par la réalisatrice elle-même, où elle est allée dans des associations
qui traitait des hommes qui avaient été maltraiteurs ou qui avaient maltraité des femmes et des associations qui essaient de les guérir. Et donc, elle avait beaucoup travaillé avec ces hommes-là, les associations, etc. Ça donnait lieu à un premier documentaire et à partir de là est née la fiction. Donc, là, c'est une des femmes de cette génération, peut-être la plus intéressante. Et c'est également, et c'est peut-être un lien à apporter, c'est une femme qui est actrice au départ, comme Anna Mariscal. C'est une femme qui commence adolescente, avec un rôle très intéressant dans un film d'Hérissé, qui est un réalisateur aujourd'hui connu en dehors du cinéma espagnol, Victor Hérissé, et un film qui s'appelle Le Sud. Et elle joue une jeune adolescente. Elle va jouer également pour José Luis Borau, donc elle a en parallèle un rôle d'actrice et un rôle de réalisatrice. Et le film le plus connu en France, c'est le Ken Loach, Terre et Liberté, où elle joue une des miliciennes, celle qui va toujours donner la réplique et traduire vers l'espagnol, et qui au départ dit « J'étais domestique dans une famille bourgeoise, comme mes patrons ont fui l'Espagne républicaine, je suis enfin libre. » Donc voilà, donc, c'est quelqu'un qui vient du monde du cinéma, qui est devant la caméra, qui passe derrière par une petite comédie qui peut être insignifiante mais qui ne l'est plus. Alors le titre c'est « Hola, estás sola », »,« Salut, t'es toute seule ». Ça peut être une histoire de rencontre entre jeunes, etc. Et donc c'est une femme qui a fait un autre film que vous avez peut-être vu ici, « Même la pluie », también la lluvia. Bon, voilà, c'est elle. Donc, même la pluie, qui est un énorme, énorme projet, un projet, et puis elle disait, pour ce projet, il ne faut pas être ni femme ni homme, il faut être un surhomme et une surfemme. Même la pluie, c'est vraiment un film qui se passe en Bolivie, et dans ce film, vous avez trois films, la conquête de l'Amérique, la question de l'eau, et comment une troupe d'acteurs de cinéma va jouer dans un village pour jouer ce film. Finalement, on est en train de reproduire le même type de rapport qu'au moment de la conquête par rapport aux Indiens, etc., la question des dominations, etc. Vraiment, c'est un film que vous pouvez vous procurer dans la librairie du festival. Il y a tous ces DVD qui sont en vente. Nous ne gagnons rien, mais nous sommes que des forces de proposition. Mais c'est vraiment un film qu'il faut avoir. Donc, Itziar Bollaín, c'est vraiment, je dirais, l'exemple de la réalisatrice qu'aujourd'hui atteint la quarantaine, avec des films. Un autre film intéressant d'elle, qu'on a passé également, c'est Mata Hari. Alors, imagine que c'est l'histoire de l'espionne, pas du tout. Mata Hari, c'est l'histoire de la difficulté des femmes pour mener à bien leur vie de famille et leur vie professionnelle au même niveau d'excellence, sans aucune démonstration. Ce n'est pas du tout pamphlétaire, démonstratif, c'est simplement la vie quotidienne d'une femme actuelle. Ce n'est pas du tout les propos non plus d'Almodovar dans « Femme avant la quinzaine ». C'est vraiment ces petites vies quotidiennes dont les sociologues, on va dire, bon, mais voilà, au niveau de la parité, au sein de l'entreprise, il y a tant de chefs d'entreprise, 15% des chefs d'entreprise femmes. Bon, elle, c'est les plis de l'histoire. Donc, elle nous raconte comment dans une entreprise, à l'occurrence, dans un grand journal, on ne va pas dire lequel, quand on voit les personnes qui vont signer les articles les plus importants du journal, il y a une majorité d'hommes, et que c'est la culture, c'est finalement les journalistes femmes, etc. Tout ça d'une façon vraiment forte et grave, toujours avec des grands acteurs. Bon. Alors, dans les réalisatrices que je pense importantes qui émergent dans ces années 90, il faut peut-être parler d'une réalisatrice qui n'est pas très connue, mais dont l'actrice fait l'affiche cette année du festival. L'actrice qui fait l'affiche du festival, que personne ne reconnaît, même nous, quand on a vu la photo, on s'est dit, qui c'est ? Bon. C'est une réalisatrice basque qui s'appelle Ana Díez, qui est peu connue en France, mais qui est très importante en Espagne.
Elle est venue à Nantes à plusieurs reprises. Une femme qui a la cinquantaine et qui est basque d'origine, qui est partie au moment où le mouvement terroriste basque battait son plein, où les attentats étaient très très importants. Elle, qui habitait la Navarre, avait décidé de quitter le Mexique parce qu'elle ne pouvait pas supporter la violence. Elle a fini ses études de médecine, elle est partie au Mexique en exil, et là, elle s'est inscrite à l'université dans une formation de cinéma, et elle a été formée en cinéma au Mexique. Donc elle a commencé une carrière de cinéaste en Amérique latine et est revenue en Espagne. Et c'est la première femme cinéaste qui décide, dans les années 90, quand elle revient au Pays Basque, de faire une fiction sur les théâtres, en filmant directement à Saint-Sébastien, au moment où les théâtres commettaient des attentats. Donc on sait que dans ces années 80, c'est au moment où Felipe González était au pouvoir, il y avait à peu près 100 attentats par an, essentiellement au Pays Basque. Et elle décide de faire un film sur un commando. Un commando qui est mené par un des jeunes de son village, qu'elle connaissait. Et donc, elle essaie de rentrer dans l'histoire, pourquoi ce jeune, finalement, qu'elle connaissait, avec qui elle avait été au lycée, etc., décide de rentrer dans l'ETA. Et c'est au moment aussi où l'ETA était devenu aussi justicière et assassinait non seulement ceux qui s'opposaient à l'indépendance du Pays Basque, mais aussi les narcotrafiquants. C'est le moment où il y avait beaucoup de chômage au Pays Basque, où la circulation de la drogue était très importante à Saint-Sébastien, à Bilbao, etc. Moncho Armendáriz déjà avait fait un film sur cela. Et donc, c'est un film qui a fait énormément parler, puisque finalement, elle a été menacée et par la police espagnole, et par l'ETA, parce que son film, évidemment, mettait en cause et la répression d'un côté et la violence terroriste de l'autre. Donc ça, c'est un exemple aussi d'une réalisatrice qui a mené toujours une carrière dans des difficultés qui ne sont pas celles de la production, celles de l'argent, mais celles des difficultés qui sont les propres des situations politiques extrêmes. Bon. Alors, Ana Díez, son dernier film s'appelle « Petit pays », en espagnol « Paisito ». Petit pays, paisito, sur l'Uruguay, qui est le plus petit pays de l'Amérique latine. Et c'est finalement aussi une histoire des guérillas urbaines. Hein. C'est la fin de la démocratie, c'est l'arrivée des Tupamaros et des Montoneros en Argentine et en Uruguay. Et c'est, elle va tourner en Uruguay. Et c'est une histoire vraie, où les exilés espagnols se sont installés en Uruguay, à Montevideo, au moment où le coup d'État des militaires a lieu. Et ce coup d'État, évidemment, va tout d'abord exercer la répression sur les républicains espagnols qu'ils considèrent comme complices des mouvements terroristes. Donc elle va filmer cette histoire, et dans cette histoire, il y a comme protagoniste l'actrice que vous voyez dans l'affiche, qui sera à la clôture, Maria Botto, qui est vraiment une actrice importante à double titre, non seulement parce que c'est une excellente actrice, mais aussi parce que c'est une actrice argentine, fille des disparus argentins, qui est venue en Espagne au moment de la dictature argentine avec sa mère. Son père était disparu, donc c'est ces gens qui faisaient partie des vols de la mort et qui étaient jetés dans la mer par les militaires à l'époque, donc la famille vit en Espagne. Son frère, c'est Juan Diego Botto, un acteur aussi excellent du cinéma espagnol. Et Maria Botto joue ce rôle qui la ramène vraiment à son histoire personnelle. Donc c'est pour ça que je disais que le cinéma, ce n'est pas uniquement des films qui racontent des histoires. C'est-à-dire que dans le cinéma espagnol, il y a toutes ces histoires qui se croisent. Il y a toujours des histoires personnelles, des histoires autobiographiques, des histoires politiques. Pour aller voir un film, il ne faut pas savoir tout ça. Ce n'est pas grave. Hein. Ça, vous allez le savoir après. Hein. Donc de temps en temps, je dirais ces histoires, mais on peut voir simplement le film comme un moment de loisir. Donc, Ana Díez est intéressante à ce niveau-là. Et puis, il y a une réalisatrice andalouse. Parce qu'en Andalousie, le cinéma est beaucoup moins puissant qu'au Pays Basque, moins qu'en Catalogne, moins qu'à Madrid. Hein. Ce sont les trois centres de cinéma. Mais l'Andalousie
est une terre essentiellement de théâtre. Et dans cette terre de théâtre, il y a une réalisatrice qui s'appelle Pilar, donc c'est le jour de Pilar, je n'ai pas fait exprès. Je me rends compte finalement qu'il y a... Vous pensez qu'il n'y avait qu'une, mais il y en a plein finalement. Les institutrices de la République qu'on a vues ce jour-ci, c'était une autre Pilar, donc voilà. Donc, Pilar Távora. Et je suis sûre que parmi vous, il y a des gens qui ont vu des pièces de théâtre de son père. Aux Allumés, avec Jean Blaise. Jean Blaise, quand il a commencé vraiment tout son travail culturel à Nantes, c'est le premier à avoir invité la troupe de Távora, du père, avec la Quadra de Séville, qui faisait des pièces de théâtre incroyables, où vous aviez l'impression que la Semaine Sainte était débarquée à la salle Paul Fort. C'était à Paul Fort. Bon. Alors donc, Távora, grand réalisateur et grand metteur en scène de théâtre, Avignon, Nancy, etc., et sa fille Pilar Távora, réalisatrice. Pilar Távora, l'essentiel de sa cinématographie, ce sont des adaptations des pièces de théâtre de Lorca. Alors, de tous ces films, je mettrai en avant déjà c'est une sélection, le film Djerma, qui est une des plus belles pièces de Lorca. Et c'est une mise en scène cinématographique, donc ce n'est pas la mise en scène d'une pièce de théâtre, c'est vraiment un film avec une entité parfaite et qui parle justement de cette histoire des femmes sans enfants qui était aussi importante dans la production des Lorca, que certains comparent souvent avec les décalages dans le temps et dans la forme avec Almodovar. Sans doute dans la culture espagnole des années 20-30, il n'y a pas eu un auteur de théâtre qui a parlé de façon aussi juste de la maison de Bernardin, Doña Rosita la célibataire, etc. De toutes ces femmes sans enfants, pour lesquelles ou on se mariait ou on rentrait au couvent et on restait vraiment enfermé chez soi, etc. Donc voilà. Alors, pour parler de la génération plus récente, dans la génération plus récente des réalisatrices, et là je vais parler plus des réalisatrices que vous allez rencontrer ces jours-ci, il y a une réalisatrice qui est très importante et qui est une réalisatrice basque qui s'appelle Elena Taberna. Elena Taberna, qui présente un film qui s'appelle La Bonne Nouvelle, qui est déjà venu à Nantes avec ce film-là, qui revient pour le cycle film féminin, qui sera dans le débat le 11 avril, où toutes ces femmes vont être réunies à une table ronde et vont dire « Moi, je me revendique comme cinéaste, moi, je me revendique comme femme cinéaste, moi, je me revendique comme simplement réalisateur, etc. Bon. » Elena Taberna, basque de la Navarre, partie basque, et dans La Bonne Nouvelle, revient sur le thème de la guerre civile. La Bonne Nouvelle, au moment du coup d'État, et dans La Bonne Nouvelle, elle met en avant le rôle d'une institutrice de la République. Donc, c'est un cinéma qui est un cinéma aussi sur la période sur laquelle reviennent beaucoup de réalisateurs, mais qui va mettre en exergue le rôle de ces femmes qui étaient institutrices et professeurs sous la République et au moment du coup d'État, on sait bien, parce que vous l'avez vu aussi dans des films comme El Carmela de Saura, la répression s'abattait essentiellement sur ceux qui étaient les représentants de la culture. Alors, je parlerai également d'un film que vous allez sans doute ne pas oublier, « Hier ne termine ou hier ne finit jamais », d'une réalisatrice catalane qui s'appelle Isabel Coixet. Vous savez un peu l'historique de chacune
Alors, Coïssette, elle est très, très particulière, elle est catalane. Elle a fait une partie de sa filmographie en anglais, en catalan et en castillan. Ça trouble beaucoup les spectateurs en France parce que vous allez entendre, là, dans le dernier film, Hier ne finit jamais, c'est en castillan. Hein? Donc, elle emprunte toutes les langues. Mais je pense que ça, c'est la marque du cinéma espagnol. Il y a un cinéma basque, en catalan, en galicien, en anglais. Elle a tourné, elle a été formée aux États-Unis, donc comme une autre réalisatrice dont je vais vous parler. Et donc, ce film, Hier ne finit jamais, c'est une tragédie. Au cinéma, tragédie, ça ne veut pas dire que ça s'est fini mal. C'est une tragédie comme au théâtre antique, c'est une tragédie comme au théâtre en Grèce, hein, c'est comme Antigone. Hein. Avec l'acteur auquel on va rendre hommage cette année, Javier Cámara. Hein? Javier Cámara, qui est aussi un acteur almodovar. Et quand on dit ça, on a l'impression que ça fait partie de los chicos almodovar. Vous l'avez vu dans La mauvaise éducation, mais surtout en Parler avec elle, dans le rôle d'infirmier. Et l'année dernière, très très frivole, dans cette espèce de danse dans l'avion des amants passagers. C'est lui qui était le plus fou, hein, et qui avait une relation torride avec un des pilotes. Donc et là, c'est vraiment un rôle très, très différent. Et ce film de Coïssette est vraiment, je pense, le film qui peut faire la jonction entre film féminin et le féminin filmé. C'est l'histoire d'un couple. C'est une relation passé-présent. Et incarné, comme je le disais au départ, par des grands acteurs, dont Candela Peña, qui a commencé dans le premier film d'Icíar Bollaín, mais que vous avez vu dans le film Princesse de Fernando León de Aranoa, hein, sur les questions migratoires, l'intégration, etc. C'est vraiment un des monstres aussi de la scène espagnole. Et c'est vraiment un film à deux qui est vraiment remarquable. Et puis, pour vous laisser le temps de me poser éventuellement des questions, il y a dans les films qui sont montrés peut-être un film qui serait intéressant à remarquer, c'est un court-métrage français. Alors, comme nous sommes un festival très particulier, parce que c'est un festival de cinéma espagnol en France. C'est-à-dire que c'est, comme le reste de notre travail universitaire, c'est un festival qui se fait à cheval des Pyrénées, donc avec un pied de chaque côté, et toujours dans le comparatif, ce qui est vraiment très salutaire, comme je le dis souvent. Alors, parler de la question des films féminins, les féminins filmés, parler de la question de la violence faite aux femmes, il y a plusieurs films qui reviennent sur ça. La peur, par exemple, la peur, hein, de Jordi Cadena. Ça nous amenait aussi à faire une analyse comparée sur la même question dans les autres pays. Parce qu'en Espagne, il n'y a pas un jour où la presse n'informe sur ces questions-là. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il y ait plus de violences conjugales en Espagne qu'ailleurs. La comparaison est faite au niveau européen, c'est plutôt dans les pays du Nord que du Sud. Mais l'Espagne a fait de cela une sorte d'obligation d'information, ce qui fait que tous les jours, à chaque fois qu'il y a une maltraitance, une violence, tous les journaux en parlent. Bon. Alors, on a pensé, et puis cette idée nous est venue parce que nous savions qu'il y avait un court-métrage français, Avant que de tout perdre, qui était très intéressant, qu'on avait pu voir avant qu'il arrive au César en France. Alors, il se trouve que c'est le court-métrage qui a eu le César au meilleur court-métrage, Avant que de tout perdre. Il est réalisé par un réalisateur qui vient du monde du théâtre, qui est acteur, Xavier Legrand. Xavier Legrand. Il est produit par quelqu'un dont le nom de famille va vous dire quelque chose, Alexandre Gavras. Mais ce n'est pas parce que c'est le fils d'eux et que le père avait été là l'année dernière au festival, parce que c'est toujours très peu délicat d'aller voir le fils par rapport au père, surtout quand on fait le même métier. Donc c'est Xavier Legrand qu'on a contacté,
après avoir vu ce cours qui nous paraissait très intéressant parce que la violence conjugale n'est jamais montrée, n'est jamais visible, et c'est le regard de l'enfant. Et cela pouvait rejoindre « Ne dis rien », le film de Boyaïn qu'on va montrer, « La peur », la peur. Donc ça aura lieu le 11 avril en soirée, je pense que c'est autour de 20h, mais vous verrez au programme, donc on va passer les deux. On va passer « Ne dis rien » d'Issyar Boyaïn, le cours. Issyar Boyaïn ne peut pas être là parce qu'elle est en train de tourner en Grande-Bretagne, mais le producteur Alexandre Gavras va être là parce que Xavier Legrand, le réalisateur, joue à la Comédie française, donc il ne peut pas être là. Et il y aura l'actrice Léa Drucker qui incarne la femme et qui est vraiment extraordinaire. Donc il y aura une rencontre avec eux le soir, je pense, le soir chez nous, c'est pas trop tard, 22h. Donc sur ce thème-là, et il y aura l'espace Simone de Beauvoir, il y aura des femmes politiques qui vont être là pour débattre la question, et le public. Et on trouvait que ce regard est intéressant parce que tout d'abord, c'est ici à Boyaïn, c'est le regard d'une femme sur cela, et là, c'est le regard d'un homme, et Xavier Legrand sur cette violence conjugale. L'élément de comparaison nous paraissait important. Donc, voilà. Et puis, je terminerai avec juste une dernière évocation à une réalisatrice très importante, parce que vous connaissez la sœur, c'est toujours les questions de famille partout. Vous connaissez Blanca Lee. On ne peut pas ne pas la connaître, parce qu'elle a fait l'actualité avec son spectacle sur les robots, elle est passée partout. Alors, dans cette famille des créatrices, sa sœur s'appelle Chus Gutiérrez. Là, je vais le mettre, parce qu'il y a beaucoup de R. Ça, c'est le prénom. Alors, c'est une Chus Gutiérrez. C'est une réalisatrice de la même génération qu'Issyar Boyaïn. Maintenant, la quarantaine. Et de sa filmographie, on a choisi un film qui est très intéressant pour la période actuelle, qui est un film qui est sorti maintenant il y a 6 ans et qui était peut-être le film vu de 2014, le plus actuel sur la question migratoire. Et il s'appelle « Retour à Ansala ». Et ce sont les migrations entre les deux rives du détroit de Gibraltar, ce qui fait l'actualité tous les jours, hein, du côté de Ceuta, Melilla, le Maroc, etc. Et cette femme, Chus Gutiérrez, avait déjà fait un premier film sur les migrations qui s'appelait Poniente, sur les réactions racistes dans le sud-est de l'Espagne, dans cette culture chousser, des cultures intensives, qui embauche des migrants sans papier dans des conditions vraiment scandaleuses, sans contrat de travail, etc. etc. Et elle avait déjà fait un premier film qui s'appelle Poniente sur ça. Et là, Retour à Ansala, ce sont les questions migratoires de deux côtés. C'est-à-dire que le regard est du côté espagnol et puis Ansala, où arrivent finalement les cadavres de ceux qui sont restés dans la mer finalement. Alors, ce n'est pas du tout un film tragique, évidemment, ce n'est pas une comédie. C'est, comme je le disais tout à l'heure, ce propos qu'a le cinéma d'être un marqueur du temps présent. C'est-à-dire que lorsqu'on lit dans la presse ces questions de tous les jours, la traversée en Italie, la traversée du côté de l'Espagne, en Ceuta et Melilla, les renvois des migrants, sans même savoir s'ils sont les papiers ou pas les papiers, ça c'est l'actualité de la semaine dernière. Je pense que ce genre de films ne peuvent qu'être d'actualité. Et puis pour clore ces propos, je dirais que cette année, le festival peut-être a fait quelque chose qu'on n'avait jamais fait, c'est montrer 3 expositions. Que je vous convie à aller voir, même si vous n'avez pas le temps ou envie d'aller au cinéma, 3 expositions qui sont dans 2 lieux différents. Alors, la première exposition est complètement centrale, mais c'est un lieu qu'on n'a pas l'habitude
de voir comme lieu d'exposition, parce qu'avant les travaux de la place Gralin, il y avait tellement des tranchées partout qu'on n'arrivait vraiment pas à circuler. Bon, aujourd'hui, c'est la salle Curé qui se trouve au début de la rue Franklin. Je vais donner un lieu, mais je ne fais pas la publicité pour, en face du café Molière. D'un côté, il y a l'opéra, de l'autre côté, il y a la salle. Bon, alors, dans cette salle, qui est ouverte tous les après-midi, de 17h à 20h, vous allez trouver une exposition qui est vraiment un bijou, s'appelle « Chercher la femme » d'Almudena Armenta, qui est une femme qui est prof aux Beaux-Arts à Madrid, qui a fait l'exposition dans le monde entier, et qui met la femme en boîte. Toutes les femmes, la déesse, la maîtresse, la femme au foyer, bon, c'est plein d'inventions et c'est d'une créativité extraordinaire. Donc ça, c'est dans cette salle, toute seule. Alors, à Cosmopolis, vous savez, deux expositions par rapport aux propos que j'ai développés devant vous, c'est-à-dire comment l'histoire de la femme se déroule toujours en parallèle de l'histoire de l'Espagne, des différents types de pouvoirs, la dictature, la démocratie. Alors, cette exposition s'appelle « Femmes sous suspicion ». Le thème de l'exposition, c'est « Mémoire et sexualité » de la femme espagnole de 1939 à 1980, à une époque où il n'y avait pas de sexualité hors du mariage. Donc vous verrez, c'est vraiment très bien expliqué, c'est une exposition qui est vraiment écrite et accompagnée d'objets que certains reconnaîtront. Le chapelet, les poupées de l'époque, des différentes déclarations, il y a les femmes dominées, et la phalange, l'église, bon, c'est vraiment très très bien fait, vous pouvez passer du temps. Et ensuite il y a des projections, donc vous verrez une télévision, vous pouvez vous installer tranquillement. Il y a des montages avec des films d'époque, donc vous verrez l'allocution du général Franco à la fin de la guerre civile, déclaration sur la femme, les informations qui avaient lieu en Espagne 40, 50, 60, et les maisons closes en Espagne franquiste, malgré les interdictions. Enfin, vraiment, c'est de toute beauté. Et pour terminer, la dernière exposition qui fait un dialogue avec ce film « Retour en Sala » de Chus Gutiérrez sur l'émigration, et vous verrez une vidéo-installation qui s'appelle « En casa » à la maison, et qui est d'une femme vidéaste française, Vanessa Russolo, qui est boursière à la Casa Velázquez à Madrid, où c'est, la Casa Velázquez, c'est comme la Villa Médicis à Rome. Et donc, c'est une enclave de la France, comme l'ambassade de France en Espagne, qui est située à la cité universitaire de Madrid, là où la guerre civile a battu son plein, et donc c'est un lieu historique très important. Et donc, dans cette maison, on accueille des chercheurs, mais des artistes. Et actuellement, il y a beaucoup de vidéastes. Ces artistes sont exposés à la Garenne Le Mot, hein, dans ces lieux mythiques et merveilleux. Bon. Et le Conseil général est en partenariat avec la Casa Velázquez et avec nous. Et nous avons extrait de l'exposition de la Garenne Le Mot, qui est un peu loin du festival, pour faire des allers-retours, c'est plus compliqué, donc vous verrez ça après. Et cette installation qui s'appelle « En casa à la maison », dans laquelle installation Vanessa Russolo filme, elle, femme, filme des femmes latino-américaines qui sont à Madrid et qui travaillent dans les services domestiques, c'est-à-dire comme bonnes dans des grandes maisons bourgeoises à Madrid. Et l'intérêt de cette installation, vous allez le découvrir parce qu'elle passe en continu, c'est qu'elle a décidé de séparer l'image du son. C'est-à-dire que vous voyez des femmes et le son est extra-diégétique. Donc l'impression est complètement différente. Et ce que je peux dire sans dévoiler, c'est que ces femmes ont le corps à Madrid et la tête en Amérique latine. Et c'est, je dirais, un peu la métaphore de ce qu'est ce cinéma fait par des femmes et sur des femmes,
cette installation d'une Française qui, à partir de cette petite installation, est en train maintenant de faire un long métrage. Et c'est un peu la métaphore du cinéma parce qu'elle est française, elle filme en Espagne, et elle filme des femmes latino-américaines qui sont vraiment à Madrid. Donc voilà, c'est une autre façon de filmer le féminin. Donc merci beaucoup et je suis à votre disposition si jamais il y a des questions. Merci pour cet exposé magnifique. Vous savez ce qu'il vous reste à faire hein, tous les jours qui viennent, toutes les soirées, voilà, et le week-end, jusqu'à mardi prochain. Lundi et mardi, on présente les films primés. Alors, les bras se lèvent, je porte le micro pour que tout le monde entende la question. Oui, monsieur. Bonjour madame. Bonjour. J'ai eu l'occasion de présenter très récemment un film de Carlos Saura qui est effectivement très intéressant et c'était Ay Carmel. Et lorsque j'ai fait des recherches, je ne suis pas allé directement sur Internet, mais je me suis référé à une encyclopédie de cinéma que j'avais à la maison. C'est un bouquin d'environ un millier de pages. Et j'ai été extrêmement étonné de trouver des paragraphes et des chapitres entiers sur le cinéma français, le cinéma américain, le cinéma italien, le cinéma britannique, le cinéma russe, mais de cinéma espagnol, point. Alors, je me suis posé la question, pourquoi finalement entend-on si peu parler du cinéma espagnol et est-il si peu distribué chez nous ? Avez-vous quelques idées sur cette question ? Oui, la réponse est que si on a créé le Festival de cinéma espagnol, c'est parce qu'on avait constaté cela. Parce que Buñuel, Saura, Almodóvar, plus récemment, ont toujours dit, chacun dans sa génération, les Espagnols connaissent tout, ou presque tout, sur la culture française et le cinéma français. Le français, ils ne connaissent rien ou presque rien de la culture espagnole et du cinéma espagnol. Et Marc Ferro, que je citais très souvent sur Histoire et cinéma, dans son ouvrage, il consacre simplement quelques lignes au cinéma espagnol en disant « Il est vrai que je ne connais pas très bien le cinéma espagnol, mais je dirais, en allant vers l'histoire contemporaine, que Raymond Aron, dans une histoire des relations internationales, il évoque très, 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 très rapidement l'Espagne franquiste, mais vraiment en deux lignes. C'est-à-dire, il y a eu, pendant toute une période, une méconnaissance extraordinaire de l'Espagne en général, de la culture espagnole, etc. Le franquisme a été un régime qui a isolé les pays de l'extérieur. C'est évident qu'il y a... Cette raison est importante. Et je ne voudrais pas non plus me fâcher avec vous cet après-midi, mais... Je pense aussi que si l'Espagne est un pays porte et fenêtre toujours tout ouverte, avec des courants d'air impossibles, parce qu'on est toujours vers l'extérieur, filmant l'extérieur, etc., la culture française a quelque chose d'extraordinaire qui est l'exception culturelle, qui est vraiment très importante. Chose que l'Espagne n'a pas déjà. Mais parfois... Cette culture très identitaire, dans le sens, pour nous, c'est avec admiration qu'on le dit, parce qu'on aimerait bien qu'un Espagnol ait une culture identitaire. C'est un pays à quatre cultures, quatre langues. Cette culture identitaire, ce côté de se reconnaître dans sa culture, etc., fait qu'il y ait déjà un renforcement de cette culture, de ce cinéma français. Mais en même temps, je dirais que comme la culture est liée au rôle que chacun des pays représente dans l'échiquier international. Si l'Espagne a été absente de l'échiquier international jusqu'à date récente, toute sa culture en a pâti. Donc, il y a que, tout d'un coup, Saura avec Cria Cuervos, prix au Festival de Cannes. Pascual Duarte au Festival de Cannes avec un prix pour les meilleurs acteurs. Mais ce sont, je dirais, des épiphénomènes
Et la preuve en est, c'est-à-dire que même 24 ans après avoir créé, pour cette raison-là, parce que si on l'a créé, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas. Qu'il y avait un film qui sortait, par exemple, à Paris, et un autre film qui sortait aux 14 ans, qui allait durer une semaine, parce que les spectateurs ne connaissaient rien de ce réalisateur. Même en faisant ça, on se rend compte que c'est un îlot au milieu du désert. Et pour quelle raison? Parce que je dirais que toute culture doit avoir une promotion. Toute culture doit être accompagnée par une politique d'État. Et l'Espagne, à aucun moment de son histoire, a considéré que la partie la plus importante de son identité à l'étranger était sa culture et son cinéma. Chose que la France fait très très bien, et je le dis toujours avec jalousie et admiration. Si l'Espagne faisait la moitié de ce que la France fait pour faire la promotion de sa culture, la culture espagnole serait plus connue. Aujourd'hui, je dirais qu'on est même à l'encontre, c'est-à-dire que ce que nous on fait, le ministère de la Culture espagnole ne le fait pas. Ne le fait pas. Et c'est notre propos constant. On a été interviewé par la presse espagnole, bon, et il y avait, pendant ce week-end, le représentant du ministère de la Culture espagnole. Alors, la preuve, ce festival, il est financé à... On ne va pas parler des chiffres parce que ça va gâcher l'après-midi, mais le cinéma, c'est une industrie. Notre festival ne peut fonctionner que par des subventions et des partenariats privés et publics. Le festival est financé à 80% par la France et seulement à 20% par l'Espagne, dont une partie importante par le gouvernement basque, toute idéologie confondue. Maintenant, c'est un gouvernement beaucoup plus identitaire. Avant, c'était un gouvernement socialiste. Pour quelle raison? Parce que le Pays basque, lui, a conscience de l'importance d'ouvrir une fenêtre basque à Nantes pour diffuser sa culture. Mais pas le gouvernement espagnol. La Catalogne a cette préoccupation. Mais ça nous amènerait à des questions sur lesquelles je parlais, sur les questions identitaires. Aujourd'hui, c'est vrai que le ministère de la Culture, l'année dernière, la subvention du ministère de la Culture était des 1 000 euros que nous avons refusés par respect pour les réalisateurs, 55 réalisateurs qui étaient venus. Cette année, il y a eu une légère augmentation, je ne dis pas parce que c'est du même ordre à peu près. Et quand Alex de la Iglesia, avant-hier, à Cosmopolis, Alex de la Iglesia, qui a vraiment une capacité d'expression extraordinaire, ce n'est pas un réalisateur qui parle uniquement de cinéma, il parle de politique culturelle, etc. Vraiment, c'est un type avec un grand pouvoir de conviction. Et le ministère de la Culture était représenté par le représentant du CNC, a dit très clairement ce que je suis en train de dire, mais encore avec plus de force, parce qu'il est beaucoup plus fort que moi. Et évidemment, lui, il ne pouvait qu'acquiescer. Il dit « Oui, mais moi, je suis un technicien, je ne suis pas un politique. » Donc, voilà. Le représentant de la DRAC, la représentante de la DRAC était là. Le CNC français, la DRAC, aide beaucoup plus, mais à un pourcentage beaucoup plus important, le festival, qu'est l'Espagne. Ça ne leur pose pas de problème. Donc, voilà la réponse. Almodóvar fait plus pour l'image de l'Espagne à l'extérieur que n'importe quelle ambassade. C'est aussi simple que ça. Peu importe la coloration politique du gouvernement. D'autres questions? Oui. Attendez, je vous apporte. Ce sera plus simple. À l'occasion de mes recherches. Ah, et le film avec Carmela, parlons de cinéma, parce que si on parle des sous, je vais m'énerver. Non, mais à l'occasion de mes recherches, j'ai appris effectivement que l'un des premiers films de Saura avait été empêché de quitter l'Espagne pour aller se présenter, je crois, au festival de Perpignan ou quelque chose comme ça. Donc, c'était effectivement une censure extrêmement dure qui allait jusqu'à éviter que le cinéma espagnol ne s'exporte et ne soit connu. Oui, vous avez raison. Alors, je profite de votre question pour rappeler que dans cette année 2014, va sortir en France, mais c'est ça la France. C'est-à-dire la France est un pays d'accueil de toutes les cultures. Donc la restauration de la copie va être faite par la France, comme est écrit à Cuervos. C'est la France qui a fait la restauration. Va sortir ce film qui s'appelle La Chasse, La Caza, qui est
le premier film de Saoula parlant de la guerre civile, mais comme une partie des chasses. C'est-à-dire, c'est une métaphore. On ne pouvait pas faire autre chose sur la guerre. Et c'est, donc, vous verrez sans doute, on le fera au cinématographe, parce que pendant l'année, on fait, comme le festival ne peut pas durer simplement 15 jours, on s'ennuierait beaucoup. Et donc, on fait de temps en temps des cycles, des projections. Donc, on va reprendre la copie de la CAFA, on fera sans doute une séance. Alors, donc, évidemment, le régime franquiste, une fois que les censeurs ont compris que la chasse du lapin, ce n'était pas la chasse du lapin, c'était la chasse du rouge, mais il a fallu un petit moment, une fois que ça a été compris, parce que la censure était essentiellement religieuse et sur la sexualité, le corps de la femme, beaucoup plus que sur le contenu. Les métaphores étaient tellement, tellement bien construites qu'à première vue, ce n'était pas très évident. Donc, lorsque le régime a compris cela, le film a été interdit de sortie. Mais ensuite, Carlos Saura est allé, après, dans les années 60, le régime a utilisé, entre guillemets, des réalisateurs comme Saura, par exemple, comme Buñuel, quand il revient en Espagne, autorisé pour faire Viridiana Tristana, pour montrer le visage aimable du régime, en disant, mais vous voyez, finalement, qu'on laisse faire Saura avec le permis frappé, avec Mama 100 ans, etc., etc. Donc, il y avait, de la part des réalisateurs, ils ne pouvaient pas refuser, c'était la façon de sortir à l'extérieur, mais le régime a profité aussi en montant qu'à partir de 1957, il y avait une libéralisation. Donc, je vous convie à voir ce film, mais en salle. Ce serait dommage de le voir en DVD. Et La Chasse. Et on aura, vous donnerez l'information, on la relaiera par Internet. Oui, on enverra l'information. Voilà. Je pense qu'on le fera peut-être à l'automne. Là, cette année, on avait montré la copie restaurée aussi en France des morts d'un cycliste de Bardem. Mmh. Donc, on relaiera tout ça parce que le cinématographe, c'est aussi une salle très agréable qui permet aussi des débats. Hein? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière question. Alors, bon. Un documentaire sur des réalisateurs pas connus sur l'émigration en Afrique qui s'appelle El Rayo. La traduction sur le programme est mauvaise, mais à culpa, non, culpa collective, parce que le traducteur du film a imposé les rayons, alors que ce n'est pas les rayons, c'est l'éclair. Mais c'est vraiment un très, très beau documentaire. Je pense qu'il doit passer aujourd'hui ou demain, je ne sais plus. Oui, le programme, il en reste quelques exemplaires, donc vous pouvez vous servir pour ceux qui ne l'auraient pas. Bon, et merci beaucoup, voilà. À très bientôt. Merci à vous.